Bonjour à tous, dans les 20 derniers kilomètres. Bonne étape, les gars. Allez, allez. Pour cette 11e étape, il est en ce mercredi 12 juillet, j'habite à côté de Pau. Et voilà, je vais aller voir le tour. D'ailleurs, pendant que la vidéo vous la regarderez, je serai autour. Je vais voir Aimé Pau et Pompier à Dieu. Après la victoire, ça gagne, il est là, ça gagne à une trentaine de points, à 20 points. Ah, je ne trouve pas. Il est à 29 points, oui. Ah, ça gagne qui est où? Ça gagne qui ne me fout pas le sprint. Ah oui, il est là. Ça va être chaud pour la victoire d'étape. Il est dans le jeu, il violo, notre passion pilote, est devant nous, va essayer de se rater comme hier. Non, non, il sprint pas. Le ton groupé. On va lui dire de prendre son ravito de gel rouge. Non, il sprint pas. Ça va. Me rappelle. Il est attaqué à 2 km. Pas de rater, pas. Les sprinteurs sont prêts à en découdre. Bien placés dans la roue de leurs équipiers, ils ne vont pas tarder à produire leur effort. C'est bon, ça attaque. Bonifacio. Il vient de tomber. On a perdu la roue. Ça risque d'être compliqué pour lui de disputer le sprint. Eh bien, il commence. Allez, c'est bon, il peut attaquer la Nizzolo. Allez, attaque. Attaque. Allez, il attaque pas Nizzolo. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Beaucoup, par contre. John Degenkolb. Ah non, c'est Contador. Dire que tout se passe bien maillot vert pour lui. Il joue les tout premiers rôles cette année. Qui a gagné? Voici. On ne sait pas. On est maillot à poids. Peut-être que vous n'avez pas bien entendu, le micro n'était pas bien réglé. C'est vraiment une étape à oublier. On avait les moyens de jouer les premiers rôles et on n'atteint même pas le top 10. C'est décevant. Même pas top 10. Et même pas top 15. Ah ouais, 11e. Et Froome qui finit 17e. On va voir ce classement général. Quoi? Ils sont encore là. Il n'y a pas eu de changement. Il a dû chuter quand t'adore. Je sais pas moi. Il y a eu un bug, c'est pas possible. Ouais, bon, on se retrouvera pour la prochaine étape. Peace!